Les stars se succèdent sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Ce jeudi 19 mai, c'est Sylvie Tellier qui a fait sensation lors de la montée des marches du film Armageddon Time. Pour l'occasion, la patronne des Miss était accompagnée par le célèbre sculpteur Richard Orlinski. Vêtue d'une magnifique robe noire décolletée, Sylvie Tellier, qui portait également un superbe collier en diamant, a fait sensation sur le tapis rouge de la Croisette. Victime d'une grave blessure au genou après un accident de ski survenu il y a quelques mois, Sylvie Tellier est apparue en pleine forme devant les photographes lors de la montée des marches mais aussi lors du Global Gift Gala, une soirée où elle a été invitée par Eva Longoria, elle-même. Sur son compte Instagram, avant son départ pour la Croisette, la patronne des Miss avait partagé son dernier passage chez le kiné. Dixit le docra. Je vais même avoir le droit de porter des talons quelques heures. Tout de même plus adéquat avec une robe de gala, s'était-elle alors réjouie. Toujours sur son compte Instagram, Sylvie Tellier a partagé les coulisses de sa montée des marches. L'ancienne Miss France a notamment fait part de sa joie d'avoir croisé Julia Roberts sur le tapis rouge. Festival de Cannes 2022, Julia Roberts et Anna Tawai, stars de la montée des marches ce 19 mai. Ce jeudi 19 mai, deux stars américaines ont fait le show sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Toutes de blanc vêtues et avec un énorme diamant autour du cou, Anna Tawai a créé la sensation devant les photographes. Avant elle, c'est Julia Roberts, sublime dans une combinaison noire, qui a émerveillé la montée des marches. Une soirée marquée également par les présences d'Aya Nakamura, rayonnante au bras de son mari quelques mois seulement après son accouchement. Loading widget.